Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de Noël des chanteuses et des chanteurs. Chaque jour, je réponds à une question d'un abonné pour vous aider à mieux chanter et développer votre voix. Alors, qui dit Noël dit cadeau, donc je te conseille de bien rester jusqu'à la fin pour voir ce que je t'offre aujourd'hui. Passons tout de suite au tirage au sort de la prochaine question. Alors, tu connais la chanson, si tu ne veux rien rater de mes vidéos, je te conseille de t'abonner tout de suite à la chaîne YouTube en cliquant juste ici. Alors, c'est une question de Sylvie qui nous dit « Antoine, est-ce que c'est normal d'avoir du mal à chanter quand il fait froid ?» Alors, Sylvie, je ne sais pas si tu chantes dehors. On va dire quand il fait froid en général, l'hiver peut-être. Quand on chante dehors, ça c'est autre chose. L'air qu'on va respirer est assez froid et ça risque d'assécher un petit peu les cordes vocales. Mais on va imaginer en hiver. Est-ce que c'est normal d'avoir du mal à chanter en hiver? Alors, il n'y a pas de lien entre les cordes vocales et la température, d'accord? Mais ce qui va se passer, c'est que quand il fait froid, c'est notre corps qui va s'en trouver un petit peu pénalisé. Je m'explique. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez froid? Bien souvent, on se tient un peu comme ça. On va rentrer les épaules. On va tasser un peu comme ça la nuque. D'accord? On va se tenir comme ça. Alors que c'est tout l'inverse de ce qu'on veut quand on chante. Quand on chante, on cherche à garder les épaules libres, la nuque dégagée. On cherche à un certain alignement. En tout cas, on cherche une certaine souplesse. Pourquoi? Parce que notre corps, comme tu le sais, quand on chante, le corps c'est l'instrument. Et donc c'est lui qui va t'aider à générer le son, c'est lui qui va t'aider à gérer le flux d'air notamment, et c'est lui aussi qui va t'aider à utiliser les espaces de résonance. Ce qui se passe, c'est que si tu entraves le mouvement de certains muscles à cause du froid, parce que tu te recroquevilles comme ça, alors j'exagère, d'accord, mais on a quand même tendance comme ça à se tenir un petit peu. Vous savez, quand on marche dehors et qu'il y a du vent, là, on va se mettre un peu la tête dans les épaules, comme on dit, hein, c'est bien l'expression. Et donc, nous, on cherche une certaine liberté. Donc, si les muscles comme ça se retrouvent entravés dans leur mouvement parce qu'ils sont un petit peu tendus, contractés, eh bien, c'est une bonne idée si on arrive de dehors qu'il fait froid, avant de se mettre à chanter, de décontracter un petit peu tout ça, de libérer les épaules, de détendre la nuque et la mâchoire. Parce que quand il fait froid aussi dehors, on a tendance à tendre la mâchoire ici, à serrer les dents. Et ces contractions ne nous aident pas, nous facilitent pas la vie pour chanter. C'est pareil, votre larynx c'est ici, vos cordes vocales sont ici. Vous pouvez peut-être sentir la petite bosse. Et d'ici, il y a des muscles qui partent ici dans le dos là, jusqu'à vos omoplates et qui remontent ici jusqu'à votre langue, jusqu'à votre mâchoire. Donc si par exemple vous avez la mâchoire serrée, eh bien vous allez par effet rebond impacter aussi le fonctionnement de vos cordes vocales et l'utilisation que vous pouvez faire de votre voix pour chanter. Donc, est-ce que c'est normal d'avoir du mal à chanter quand il fait froid? Eh bien, effectivement, Sylvie, on va avoir besoin de décongestionner un petit peu le corps, d'accord, pour relibérer tout ça, pour redétendre tout ça, pour éviter d'être trop recroquevillé sur soi-même et pour pouvoir gérer librement le flux d'air, la vibration des cordes vocales et nos espaces de résonance. Voilà la réponse à la question du jour, le cadeau. Je vous propose d'assister à une conférence que j'ai donnée sur la voix, une conférence qui va vous expliquer de manière très concrète comment fonctionne votre voix et pourquoi est-ce que par exemple le fait qu'il fasse froid dehors peut vous impacter dans votre fonctionnement vocal. Vous allez tout comprendre et il y a surtout des exercices pour vous aider à développer votre voix. Donc moi, je vous donne rendez-vous tout de suite dans cette vidéo en cliquant dans le lien juste en dessous ici dans la description et je vous dis à demain pour un nouveau chapitre. Prenez bien soin de votre voix. Ciao.